Bonjour Bernadette, Bernadette Carvin, merci beaucoup de venir nous présenter ce matin l'ouvrage que vous avez coordonné et qui vient de sortir récemment aux presses universitaires de Bordeaux, L'écriture dès le début de l'école primaire. Alors, que pouvez-vous nous dire déjà sur cet ouvrage concernant l'écriture dès le début de l'école primaire? Oui, alors avant tout, je voudrais dire, donc c'est moi qui ai la chance d'échanger avec vous aujourd'hui pour présenter cet ouvrage sur l'écriture dès le début de l'école primaire, mais nous y avons travaillé à trois pour le coordonner, donc je tiens à le citer, donc c'est un travail collaboratif avec mes collègues Catherine Brissot de l'Université de Grenoble-Alpes, et du l'IDILEM et Martine Dreyfus du l'IRDEF. Et si je tiens à le souligner, c'est parce que cette collaboration reflète bien l'importance de la coopération pour traiter les questions didactiques et les questions plus globales d'enseignement et d'apprentissage de l'écriture, qui sont des questions extrêmement complexes, vastes. Donc on a besoin de ces regards pluriels et de ces équipes interlaboratoire pour étudier de façon riche et complexe cette thématique. Et globalement, l'ouvrage rend compte de cette approche puisqu'il y a 10 contributions et pas moins de 16 auteurs différents, de différentes institutions. Oui, j'ai même vu des auteurs de pays étrangers. Tout à fait. Et voilà, tout à fait. Et donc c'est un là, choix. Trois universités et trois laboratoires qui ont contribué à cet ouvrage. Donc, l'Université de Bordeaux, l'Université de Grenoble et l'Université de Montpellier. Si j'ai bien suivi. Alors, un ouvrage sur l'écriture dès le début de l'école primaire. Alors, pourquoi cette focalisation sur le premier degré et les premiers apprentissages? Oui, c'est un choix très fort qu'on a voulu faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'un point de vue, on va dire plutôt médiatique, quand on parle d'entrée dans l'écrit, des premiers apprentissages littéraciques, il est bien plus question de lecture que d'écriture. Et pourtant, cela fait quand même quelques années, voire des dizaines d'années, que de nombreuses recherches mettent en avant l'importance de l'enseignement précoce de l'écriture, et surtout que cet enseignement précoce et ajusté a des effets bénéfiques non pas seulement sur l'écriture, sur le développement de l'écriture, mais aussi sur le développement de l'entrée dans l'écrit de façon plus générale, lecture-écriture. Donc on voit bien l'importance de mettre sur le devant de la scène les travaux qui donnent, qui donnent des résultats par rapport, qui mettent en avant des connaissances sur ces premiers apprentissages. Alors il faut bien dire aussi que c'est un choix. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que si on adopte un point de vue un peu plus surplombant, en didactique, il y a eu énormément de travaux déjà qui ont été faits sur l'écriture, mais il y a notamment Christine Barret-Mignat qui a bien souligné que les années 80 étaient les années de l'écriture dans le champ de la didactique. Mais finalement, il y a eu bien plus de travaux sur la fin de l'école primaire, ou on va dire cycle 3, début du collège, que sur les tout premiers apprentissages. Alors les raisons, on peut faire des hypothèses, pourquoi cette tendance-là? Peut-être parce qu'on sait que par rapport à la didactique de l'écriture, il y a eu un apport important des travaux de sciences du langage, de linguistique, et qu'on peut penser que la transposition, la transférabilité de ces résultats était plus aisée pour des élèves déjà un peu plus grands que plus envisageables. Voilà, que pour les petits. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que ça fait d'un point de vue historique, par rapport vraiment à l'école et au programme de l'école primaire, ça fait pas si longtemps que dans les programmes, on met en avant, par exemple, la production de textes au cycle 2. Finalement, c'est bien parce que le document maîtrise de la langue, c'est ça, en 92, a mis en avant le fait que enseigner l'écriture, ce n'était pas seulement
apprendre, enseigner le code, mais aussi de la production de textes, hein, que ce point de vue-là a été développé. Et même par rapport à la maternelle, finalement, quand on regarde, on peut vraiment se réjouir là que dans les programmes actuels français de 2015, les programmes mettent en avant ce qu'on va appeler les essais d'écriture. Hein, mais finalement, dès la maternelle. Dès la maternelle. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de très vieux. Oui, c'est récent dans les programmes. C'est récent. Et donc, on peut se dire que vraiment, cette évolution historique aussi nous amène, en tant que chercheurs, en tant que didacticiens, à investiguer aussi ces questions des performances des élèves, de ces tout jeunes scripteurs, hein, de ces apprentis scripteurs, de quoi sont-ils capables dans les différentes dimensions de l'écriture, mais aussi d'interroger les dispositifs, les situations, les gestes professionnels à même d'accompagner ces premiers apprentissages. Vous voyez l'importance, hein, pour l'école là de proposer un ouvrage sur ces questions-là. Alors justement, vous avez commencé à pointer des dimensions de l'écriture. Alors pour moi, l'écriture spontanément, je me dirais avec des tout petits, c'est commencer à apprendre à calligraphier, se poser quelques questions. Mais manifestement, d'après ce que vous venez de dire, vous prêtez au terme écriture et apprentissage de l'écriture avec des petits, donc fin de maternelle, début, enfin co-préparatoire. Donc, quelles sont les dimensions de l'écriture, oui, du coup, qui sont investiguées et dont vous avez commencé à nous parler? Oui. C'est à nouveau une question importante parce que on peut avoir l'impression que quand on parle de l'écriture chez les jeunes, hein, enfants, élèves, on pense à la cursive, aux gestes graphiques, à la calligraphie, on pense à l'encodage, à l'orthographe. Et c'est vrai que l'écriture présente ces dimensions-là, mais elle encapsule aussi bien d'autres dimensions. D'abord, c'est un acte langagier, donc il inclut des situations dans le langagier, des fonctions, que ce soit la communication, la mémorisation, l'organisation de la pensée, etc. Donc oui, il y a bien différentes dimensions. On pourrait aussi parler des supports, des outils, du côté plutôt affectif, du rapport à l'écrit. Et donc nous, on a fait un choix. Donc vous voyez que l'objet est pluriel. Oui, il est complexe. Et pluriel et complexe. Donc soit, c'est vrai, on aurait pu faire un ouvrage sur une des dimensions, comme certains le proposent, mais nous, on a voulu mettre en dialogue des travaux sur ces différentes dimensions de l'écriture. Et donc, on va trouver dans cet ouvrage, en effet, des contributions qui envisagent davantage le lien, par exemple, entre le code, la dimension orthographique et la dimension graphomotrice. On va trouver des contributions un petit peu dans cette même lignée qui vont étudier les performances des élèves du CP au cours élémentaire. Cours élémentaire, hein, donc CP pour les lecteurs plus internationaux, donc c'est bien élève de 6 ans, début de l'école élémentaire, et puis 6 ans, 7 ans, donc on va étudier l'évolution de leur performance. Et par exemple, avec cette contribution-là, on voit l'importance des résultats pour le métier. Quand je dis le métier, ce sont les formateurs, les enseignants, parce qu'on voit bien combien cette acquisition, elle est précoce. Tant, par exemple, au niveau de l'acquisition des correspondances phonème-graphème, qu'au niveau, par exemple, du marquage du pluriel sur le verbe, qui en est encore assez balbutiement en CE1, ce qui indique qu'on doit garder ces éléments, comme on doit les garder au centre du programme pour les années. Les apprentissages dans les années, les mois et les années qui voilà, suivent. C'est ça. Donc vous voyez, vous allez trouver dans cet ouvrage, hein, des contributions sur ce côté plus code, hein, graphomoteur. Vous allez aussi trouver des contributions plutôt qui envisagent davantage l'écriture en tant qu'acte langagier.
notamment dès la petite section, c'est-à-dire dès les tout premiers apprentissages avec les élèves, les tout petits élèves, les enfants de 3 ans, et qui montrent combien, dès cet âge-là, c'est important de leur permettre de rentrer dans la langue de l'écrit, de produire à l'oral cette langue de l'écrit. Donc, là, on voit bien aussi combien dans cet ouvrage, on a... vu l'âge des élèves envisagés, on a souvent retenu des contributions, ou dans les contributions, on voit souvent ces interactions entre l'oral et l'écriture. On la voit par exemple aussi dans des contributions qui vont étudier non pas vraiment les performances des élèves, mais plutôt le pôle enseignant, hein, c'est-à-dire les dispositifs, comme on a dit, les situations, mais aussi le rôle, par exemple, des gestes langagier des enseignants tout au long de cet apprentissage, ou tout au long, par exemple, des essais d'écriture. Essais d'écriture qu'on peut appeler écriture tâtonnée. Les enfants essayent d'écrire comme ils le peuvent, comme ils le conçoivent, comme ils l'imaginent, et en fonction des savoirs dont ils disposent déjà. C'est ça. Avec notamment l'importance, certains auteurs pointent par exemple l'importance du geste langagier de reformulation, hein, de l'enseignant, qui peut être une vraie expertise professionnelle. Oui, donc vous avez des approches très diversifiées, entrées sur l'écriture, permettent d'en pointer l'épaisseur, la complexité, toutes les dimensions qui entrent en jeu. C'est ça. Et le parti pris a été donc de faire dialoguer toutes ces approches. C'est ça, ces approches plurielles. Notamment aussi, quelque chose qu'on voit moins, je pense, qui gagne à être vraiment considéré, étudié, c'est comment des élèves en contexte plurilingue et plurigraphique entre dans l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même dans les classes des élèves qui, par leur culture extrascolaire, sont dans ces situations de plurilinguisme, d'allophonie, mais aussi de plurigraphisme. Mmh. Et là, c'est intéressant de se poser les questions, les difficultés, les richesses, les influences que ce traitement simultané de différents codes, de systèmes d'écriture engendre. Oui, Donc voilà, hein, c'est vraiment une palette très, très vaste qu'on a choisi de proposer. Et qui nous amène à nous poser nombre de questions quand on est confronté à des élèves à l'apprentissage de l'écriture. Alors, oui, vous en parliez, diversité des approches, donc ça veut dire diversité des cadres théoriques, diversité des dispositifs, diversité que recouvre ce terme de diversité, au-delà de la diversité des entrées et des focales sur l'écrit, quelles sont encore les... Oui, pour justement favoriser ces regards pluriels et croisés sur cet objet particulièrement complexe, hein, qui est l'écriture, et l'écriture en contexte scolaire avec les jeunes, dans les premiers apprentissages, on a fait le choix d'approches plurielles. Donc, par exemple, l'ouvrage va s'ouvrir sur une contribution qui envisage l'écriture dans sa dimension diachronique et didactique, où il va être question des différents modèles, des modèles successifs d'enseignement de l'écriture à l'école primaire. Donc une vision historique un peu. Une vision historique, et qui analyse à chaque fois les sources d'évolution des différents modèles. Alors, et cet apport peut permettre aussi de comprendre des pratiques sédimentées un peu peut-être. Exactement. Dans les manières d'enseigner. Tout à fait, c'est très intéressant pour comprendre les pratiques, comprendre les manuels, comprendre le prescrit, d'avoir ce regard historique, qui permet de comprendre parfois les références, les arrière-plans, du métier. Donc on va avoir cette approche plus diachronique, on va avoir des approches plus qui vont être dans la comparaison, comme on l'a dit, par exemple, comparaison dans l'apprentissage de plusieurs systèmes d'écriture. On va être dans la comparaison de situations d'écriture, comment on apprend dans un cadre d'essai d'écriture avec entretien métagraphique ou hors de ce cadre-là. On va avoir des contributions qui vont plutôt mettre en avant
des démarches innovantes. On parle beaucoup du numérique aujourd'hui, pour ne pas tomber dans la fracture numérique. Je pense que l'école a s'interroger sur les pratiques numériques au niveau de l'écriture. Et par rapport à cette question-là, donc on a une contribution qui s'intéresse à l'introduction de tablettes et de stylets à l'école maternelle, et qui montre par exemple l'importance par rapport à cette question du goût, hein, de l'appétence des jeunes élèves pour l'écriture via certains outils de l'ordre du numérique. On va avoir des approches plus collaboratives, entre chercheurs, entre conseillers pédagogiques, entre enseignants, qui montrent aussi des choses très intéressantes au niveau des pratiques et de dispositifs. Donc vous voyez, on a essayé de panacher les différentes approches de l'écriture. Peut-être aussi dire que par rapport à ces différentes approches, il y a aussi les arrière-plans. C'est-à-dire que vous allez trouver dans l'ouvrage des contributions vraiment ancrées dans la didactique de l'écriture, dans la didactique du français, avec des apports, bien sûr, des sciences du langage, de la littérature, de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie. Mais on a voulu qu'il n'y ait pas que des contributions vraiment didactiques. C'est-à-dire qu'on va aussi trouver des contributions plutôt linguistiques, ancrées dans la linguistique, des contributions aussi de collègues psychologues qui, par des approches méthodologiques différentes, avec leurs compétences et leur cadre théorique différent, nous amènent à envisager d'autres dimensions qui interrogent aussi les manières d'enseigner, ce que l'on peut proposer comme dispositif. C'est ça, hein, au sein de l'école. D'accord. Et donc, à partir de ce que vous nous décrivez de ce livre, il me semble qu'il est tout à fait intéressant, aussi bien pour des enseignants sur le terrain que pour des jeunes qui se préparent à passer le concours, ou pour des chercheurs engagés sur la question de l'écriture. Oui, on a essayé, hein. C'est un bouquin qui propose des résultats de recherche, mais vraiment on s'est donné comme objectif de ne pas en faire qu'un bouquin, on va dire, théorique, hein, mais un bouquin aussi tourné vers, on va dire, l'action, tourné vers les professionnels de l'éducation et de l'enseignement. C'est-à-dire que pour chaque contribution, on a essayé vraiment de voir en quoi ça questionnait et ça ouvrait des perspectives par rapport au métier, par rapport au métier de formateur, par rapport au métier d'enseignant. Donc ça, oui, ça nous... C'est donc un bel outil, manifestement, un outil qui montre la complexité de cet enseignement et de cet apprentissage pour les élèves, puisqu'au bout du compte, c'est eux qui doivent apprendre. Oui, ben les lecteurs nous le diront, mais en tout cas, c'est l'objectif. Merci beaucoup, Bernadette, et bonne continuation dans vos travaux. Merci.